Quelle est l'abscisse du point vert Alors ici on a une droite graduée avec le point vert qui est celui-ci qu'on doit, qu doit situer, on doit trouver son abscisse. Alors on va regarder un petit peu ce qui, ce qui nous est donné. On a deux types de graduations en fait. Il y a déjà la graduation bleue avec les nombres qui sont donnés ici. Donc ça c'est 5,4. Ici c'est 5,5, ce qui veut dire qu'entre 5,4 et 5,5 en fait on a on s'est déplacé de 1 dixième hein, là. 5,5 c'est un dixième de plus que 5,4 Donc cette distance-là d'une graduation bleue à l'autre c'est un/ dixième. Et effectivement on peut voir quici ça marche aussi puisque pour aller de 5,5 à 5,6 en fait on a ajouté un/ dixième. Alors ça c'est la première type, la première graduation. On va regarder maintenant la deuxième qui est la graduation intermédiaire noire là. Donc en fait on va regarder ici ce qui se passe entre 5,4 et 5,5. On a divisé ce dixième, hein, donc la distance entre 5,4 et 5,5, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Ce qui veut dire que chaque partie, ça représente un dixième de ce dixième qui est là. Donc en fait, ça représente un centième. Donc chaque partie représente un centième. Donc ici, si on part de 5,4 et qu'on se déplace de un centième, on a en fait 5,4 plus un centième, c'est-à-dire... 5,41, là on aura 5,42 et ainsi de suite. Voilà, alors ça c'était pour qu'on comprenne bien ce qui nous est donné. Maintenant on va essayer de répondre à la question, donc de trouver l'abscisse de ce point vert ici. Alors on part de 5,5, c'est la valeur au dixième inférieur la plus proche, et on va compter de combien de centièmes on s'écarte de cette valeur là. Donc on part de 5,5 et on compte le, le nombre de centièmes pour arriver jusqu'au point vert. Donc on a 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes. Ce qui veut dire que l'abscisse du point vert c'est 5,5 plus 4 centièmes. Donc ça fait 5,54. Alors tu peux le voir ici, ça serait 5,51, 5,52, 5,53, 5,54. Et si tu continues, tu auras ici 5,55, 5,56, 5,57, 5,58, 5,59 et 5,6. 5,60 si tu veux. Donc ce qu'on trouve du coup, c'est que le point vert, l'abscisse du point vert, c'est 5,54. On va voir si c'est bon. Et voilà. Alors on en refait un autre. Alors, quelle est l'abscisse du point vert Donc cette fois-ci, le point vert, il est ici. Et on est exactement dans le même cas de figure. On a une, une double graduation. Donc entre deux graduations bleues, il y a un dixième. Et puis les graduations noires représentent des centièmes. Donc pour situer le point vert, on va partir de 2,2, qui est la valeur bleue on va dire la plus proche, et on compte de combien de centièmes on s'en écarte. Alors on a 2,2 et ici 1 centième et 2 centièmes. Donc ça fait 2,21, 2,22. Donc c'est 2,22. Alors on va voir si c'est bon. Voilà. Alors tu sais, hein, comme toujours sur la Khan Academy, on peut voir des indices. Alors c'est assez intéressant d'aller regarder une fois qu'on a compris, d'aller quand même regarder les indices pour voir comment est-ce qu'ils expliquent ça. Donc on va regarder ça. Ici, on nous dit l'écart entre deux graduations bleues est de 0,1 ou 1 dixième. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc jusque-là, c'est bien, c'était bien notre raisonnement. Cet écart de 0,1 est partagé en 10 parties égales qui sont chacune de 0,01 ou 1 centième. Tout à fait ce qu'on a dit aussi. Le point vert est à 2 centièmes à droite de 2,2. Donc exactement le raisonnement qu'on a fait. Hein. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout, je t'engage, à le faire, hein. c'est assez intéressant. Là on va plutôt en faire un autre. Hein. Allez, on y va. Alors là c'est pareil, on a une droite graduée avec les valeurs 0, 0,1, 0,2. Donc les graduations bleues sont aussi et représentent des dixièmes. Hein. Et donc les graduations noires représentent encore des centièmes. Alors pour trouver l'abscisse du point vert, on va faire comme tout à l'heure, on va partir de 0,1. Et on va compter le nombre de centièmes. Donc ici, c'est 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15. 0,15. C'est bon. Alors juste une petite chose là qui est intéressante à remarquer, c'est que 0,15, c'est exactement à mi-chemin entre 0,1 et 0,2. En fait, c'est le milieu de ce segment ici, entre 0,1 et 0,2. Et ça, c'est parce que... 5 centièmes c'est exactement la à mi-chemin entre 0 centième et 10 centièmes qui est ici.